Méditation de la flamme violette. Bien-aimés maîtres, soyez les bienvenus à cette méditation très particulière. Aujourd'hui, vous entreprenez le processus grâce auquel vous pourrez vous libérer de tous les problèmes karmiques passés et en quelque sorte renaître dans votre nouvelle identité, celle d'un être à la fois spirituel et humain, pour activer progressivement les semences de l'héritage galactique enchâssées au sein de votre cœur sacré. Je suis dans la joie de partager ce moment avec vous. D'abord, prenez plusieurs inspirations profondes, chacune suivie d'une lente expiration. Ensuite, imaginez, quelle que soit la façon dont vous l'apercevez, une belle sphère de lumière descendant au centre de votre propre colonne de lumière. Et observez-la, alors qu'elle transperce votre chakra de la couronne au sommet de la tête et continue à descendre, lentement, jusqu'à entrer dans la chambre sacrée de votre cœur. Observez-la, tandis qu'elle entoure complètement votre forme éthérique. Conçue expressément pour vous, cette sphère de lumière veillera à ce que vous puissiez voyager en toute sécurité dans les royaumes supérieurs, sans aucune surcharge. Sachez qu'elle s'affinera et s'ajustera chaque fois que vous entreprendrez un voyage dans les dimensions supérieures, de manière que vous soyez toujours chacun encapsulé dans une atmosphère composée de fréquences vibratoires parfaitement adaptées aux vôtres. Maintenant, visualisez au sein de votre cœur sacré un magnifique temple d'une blancheur éclatante, avec votre cellule divine au noyau de diamant posé sur un piédestal au centre de la chambre. Les couleurs des 12 rayons en irradie au degré d'intensité et selon des schémas fréquentiels parfaitement adaptés à chacun de vous. Sous cette table se trouve une ardente flamme violette de transmutation qui va requalifier tous les schémas d'énergie négative qui se dégagent de partout dans votre vaisseau physique, tandis que vous fouillez de plus en plus profondément au centre de votre soi. À présent, visualisez un être de lumière radieux, debout, derrière votre cellule divine.
voilà votre véritable essence, votre soi supérieur. Observez votre cellule divine au noyau de diamant se fusionner avec votre soi supérieur. Prenez le temps de bien ressentir ce qui se passe en vous pendant que vous devenez un avec votre soi supérieur. Prenez quelques instants pour bien profiter des merveilleuses sensations que vous procure cette fusion entre votre soi supérieur et votre cellule divine. Tandis que vous êtes chacun à l'intérieur de votre capsule de lumière, vous vous sentez attiré vers la partie arrière de la chambre du temple. Soudain, un passage s'ouvre devant vous et vous êtes lentement soulevé vers les dimensions supérieures. Vous êtes alors conduit jusqu'à une pyramide de lumière personnelle située à un niveau approprié pour vous, dans la cinquième dimension. Deux guides angéliques sont là pour vous seconder. Ils vous aident à vous allonger sur la table de cristal. Sous cette table, une autre flamme violette de transmutation jaillit et s'étend en une fontaine lumineuse autour de vous. Cette flamme n'est pas brûlante, mais fraîche et apaisante. Un cristal de quartz à double pointe suspendu au-dessus de la table se met alors à dégager l'énergie électrisante de notre Dieu Père Mère et du Créateur Suprême. Des cristaux projetant leur lumière à partir des murs sont également activés, et leurs couleurs éclatantes forment une aurore boréale composée des magnifiques couleurs des 12 rayons. Ces rayons balayent toute la pièce et pénètrent peu à peu votre champ aurique et votre essence éthérique. Ces vivifiantes fréquences vibratoires de vie finissent par s'infiltrer dans votre vaisseau physique, jusque dans votre ADN qu'elles guérissent, réalignent et perfectionnent depuis l'intérieur de votre être. Dirigez maintenant votre attention à l'arrière de votre chakra du cœur sacré, où vous voyez un petit passage s'ouvrir. Un mince filet de lumière en jaillit et votre essence pénètre dans cet étroit passage et suit ce filet de lumière. Soudain, vous avez la nette sensation de voyager dans le temps, vers le passé. Vous observez calmement ce processus en choisissant en toute conscience de ne pas vous laisser atteindre par aucun des souvenirs douloureux pour
pouvant se présenter à vous. Vous n'êtes qu'un simple observateur, sans plus. Tout en remontant dans vos souvenirs de cette vie, rappelez-vous quelques-uns des moments pénibles où vous avez éprouvé de la colère, de la peur, de la tristesse ou du chagrin. Imaginez de petits cristaux noirs émergeant de ce flot de souvenirs du passé et voyez-les entrer dans la flamme violette pour y être transmutés. Sentez grandir en vous un profond sentiment de libération à mesure que vous les laissez partir. Laissez-les se dissiper, s'évanouir et disparaître complètement. À présent, remontez jusqu'à votre enfance et passez en revue les nombreuses fois où vous étiez terrorisé, désorienté, où vous vous sentiez désespéré et sans défense. Peut-être aviez-vous soif d'amour ou tout simplement faim. Revoyez les moments où vous avez commencé à développer les dépendances et les habitudes qui ont tourmenté votre esprit tout au long de cette vie. Des habitudes et des dépendances que vous avez ramenées d'un lointain passé et qui avaient une telle emprise sur vous qu'il vous était impossible de comprendre pourquoi vous ne pouviez vous en débarrasser. Le temps est venu de le faire et vous disposez de toute l'aide nécessaire pour y parvenir. Laissez-les se dissiper, s'évanouir et disparaître complètement. Sentez à présent que vous retournez avant votre vie actuelle, jusque dans vos vies antérieures. Remémorez-vous les sentiments d'oppression ou de confusion qui vous tourmentaient lorsque vous étiez pris au piège d'un environnement négatif défavorable. Laissez-les se dissiper, s'évanouir et disparaître complètement. Remontez encore plus loin dans vos vies antérieures et observez les sentiments négatifs que vous avez peut-être ainsi ramenés à la surface en vue de les reconsidérer et de les éliminer. Des sentiments comme de ne pas être digne, de ne pas être aimé. Revoyez toutes ces fois où vous n'aviez pas d'énergie, d'ambition, ni de but précis, où vous sentiez faible et inefficace, où vous éprouviez du ressentiment parce qu'on vous avait traité injustement. Laissez tout cela se dissiper, s'évanouir et disparaître complètement. Observez les souvenirs que vous avez des époques où vous avez vécu des temps de disette ou de vulnérabilité
laissez-les se dissiper, s'évanouir et disparaître complètement. Observez les sentiments et la douleur que vous éprouviez lorsque vous avez été battu, torturé et même tué. Laissez tout cela se dissiper, s'évanouir et disparaître à tout jamais. Ayez conscience et sentez au tréfonds de vous que tous ces schémas de pensée nocifs et toutes ces énergies négatives se dégagent et sortent peu à peu de vous pour entrer ensuite dans la flamme violette. Observez ces cristaux noirs émerger un à un de la flamme violette sous forme de magnifiques diamants étincelants, pouvant désormais être remplis d'idées fraîches, de nouvelles aptitudes et d'une créativité renouvelée, et faire ainsi progressivement de vous un pur réceptacle prêt à être reprogrammé et à retrouver sa pleine maîtrise. Donnez-vous pour objectif de devenir un maître ayant le parfait contrôle de ses propres schémas de pensée et de sa destinée. Une personne qui crée elle-même ce qu'elle souhaite vivre et non ce que les autres veulent l'inciter à vivre. Jusqu'à une époque incommensurablement ancienne, alors que grandit en vous la sensation de prendre de plus en plus d'expansion, jusqu'à ne plus former qu'un avec votre magnifique corps de lumière. De votre esprit, observez la terre telle qu'elle apparaissait en ces temps reculés, alors qu'elle était un monde d'une ineffable beauté cristalline, attendant patiemment d'être peuplée. Visualisez clairement en votre esprit l'incroyable beauté et la perfection éclatante de ce monde révolu, et ressentez l'effervescence exaltée, l'impatience, la joie et l'extrême honneur que vous éprouviez à l'idée de pouvoir participer à cette sublime expérience sur cette si belle planète. Imprégnez-vous de cette vision et revitalisez en vous ce désir d'aider à créer, embellir et préserver ce paradis sur la terre entière. Vous ressentez une immense joie dans votre cœur.
tout doucement, vous revenez dans votre sphère de lumière qui redescend lentement, retraverse le cristal de quartz et vous ramène dans votre pyramide de lumière et sur la table de cristal. Maître, je vous remercie d'avoir pris le temps de faire cette méditation. Soyez assurés que je reste toujours à vos côtés. Je suis Archange Michael.